Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Week-end arrivé, jeudi à ce vendredi. Donc, au moins, nous sommes week-end là, donc tout le monde a préparé nous. Pour nous commencer le week-end, nous, ça va aller à l'envers. Parce que chalet, on va chalet, mes amis, qui a frappé. Et depuis dans Arizona, chalet a battu tout Arizona net, il vient dans Texas. Je suis pas capable de faire tout parce que nous sommes dans une salle, nous sommes battus de chalet. Et puis pour vivre juste dans l'État Floride pratiquement. Nous avons un chalet vraiment dégagé. Il faut qu'on fasse tout pour pouvoir être à caillou, chercher de l'eau froide. Mais quitter le climatiseur non ouvert, sauf qu'il climatise la caillou. Mais arrêter un côté pour frais. Mais au lieu de la piscine pour que les gens nous offrent. Mais il fait vraiment, vraiment chaud et son chalet sec. Il y a un calcul qui est des côtés de température qui arrive jusqu'à 117 degrés Fahrenheit ou peut-être 42 degrés centigrades. Je dis à la France a marqué et la prise de la Bastille, c'est au fête national. Donc il y a un paquet d'activités en général sous Champs-Élysées. Donc un peu de belle bagaille. Et puis il y a tout une réunion qui a déroulé ces ministres d'affaires étrangères, pays, membres association Asie du Sud-Est. Il y a réuni dans Jakarta, en Indonésie, pour parler de problèmes de sécurité et stabilité, la paix dans la région Indo-Pacifique. Là, c'est que les États américains sont présents dans le sommet ça. Et les rencontrer en marge avec les rencontres ça. Et les rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères chinois. Et justement, on parle des bails qui concernent les deux pays et de toute façon, on a cherché ce qui a résolu le problème qui est entre la Chine avec les États-Unis sur la question de commerce, sur la question de bails. Donc, ce sont des questions qui sont vraiment importantes pour deux pays. Donc, les pays ont cherché ce qui a évité pour ces deux problèmes qui sont. Mais tout dans le sommet, ça, sommet Jakarta, eh bien, il y a discuté de l'autre question, la question de l'eau territoriale. Et un paquet de Hong qui est dans une zone surtout pour faire de l'eau. Et la Chine qui est dans son débat autour. Donc c'est une bonne discussion. Et puis il semblait que l'Ukraine recevra et bombe qui est dans une bombe balie, bombe à écartement. Et qui l'a éclaté le bon paquet de gel, un paquet de gel de l'autre côté. Donc, en fait, il peut nous recevoir un bon outil là. Je dis que va permettre de se combattre avec la Russie, avec l'Ukraine, je garantis dans les États-Unis, avec l'autre pays allié occidental, que il est capable de faire une assistance militaire, mais pas capable dans l'OTAN, mais il a dû faire connaître que et saluer les nouveaux pays maintenant. La première fois, c'est pour aller à la Suède et puis éventuellement l'Ukraine, mais aujourd'hui on va dire qu'il est. On va dire que ma femme, je sais qu'il est. Qu'il est la pigment organisation militaire. Et puis, parce que normalement la Turquie, c'est un problème, la Turquie, quand on peut dire que par lui-même, et Stockholm, ou bien Athènes, ou bien encore équipe. Il n'y a pas de quoi contre la Suède qui était censée lui dire qu'il était capable de quoi ou bien qu'il était au. Peut-être la Suède c'est qui a accueilli un groupe camboumé contre lui. Donc c'est un bel bagaille. Et puis dans l'autre nouvelle concernant l'actualité, il y a Madame Salvador et Isabelle, c'est représentant du pays d'Haïti, et bien nous nouvel effet. Et bien, je dis que la communauté internationale commence à envisager des possibilités pour vraiment force en Haïti à stabiliser le pays, surtout une force qui a même pensé à même avec un casque bleu, parce que ça fait presque une année depuis Haïti de faire demande là. Donc, il y a une nécessité pour aller résoudre la crise là. Pendant ce temps, RNDD a publié un rapport qui est vraiment accablant, qui montre l'activité. Qui n'a pu commencer, il parle de près de 30 000 kidnappings, il parle de l'île de bruit. Et puis pendant ce temps, on a des processus là pour que nous redoublions les efforts pour combattre les gangs armés qui commencent au camp de service encore parce que l'opération Bois-Calais, ça ne va pas marcher encore parce que l'opération est campée.
il t'a semblé que le police n'a pas accompagné encore. Donc, pas d'opération bacalée, donc monsieur reprend service et il a kidnappé. Il y a un monde qui a kidnappé, c'est Marie et mon surnom, c'est Pierre Lugopon, que monsieur a kidnappé. Et en parlant de ça, on a dit que y a un SOS journaliste qui vient d'être le guide Elva, et bien lui-même, monsieur a mis un activiste sous pied là dimanche. Seulement pour dénoncer ce qui est passé et pour demander une libération. Et Pierre Lyopon, qui est ancien président du Conseil de l'Ecole, pour vous avoir fait un kidnappé. Et après, il y a Madame Nice et Marie-Lucie Bonhomme, qui est une journaliste que tout le monde connaît dans le pays. Et puis, il ne faut pas écarter ça. Et puis, à part ça, la situation est comme toujours dans le pays. On continue à rencontrer avec les partis concernés dans la politique là. Ils rencontrent avec le gouvernement sous Kriza, sur la Sokéo et Kriza. On rencontre avec le tracteur. Et il y a certainement des gens qui ont pour poursuivre le week-end qui peut-être qu'à finir soit demain ou bien dimanche, les délégations vont faire un rapport ou bien on va rencontrer la presse pour faire une conclusion que ce signe a rencontré fait. Avec parti conseil des surprises politiques pays à traverser. Mais nous, en ligne droite, c'est la fin et pour le groupe de Concaraf, la dernière compétition. Dernière journée, c'est va pour dimanche. Dimanche cap 16, le 16 juillet, l'équipe Panama et de la Sunkadir a rencontré avec Mexique. Qui Mexique dans la finale là. Fin la cap côté dans le cap de Oli dans Los Angeles. Donc, pour partir, déjà fait pour parler de l'autre. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas aucun incident grave, son bail qui est bien planifié. Donc, c'est ça qui vient dans le groupe là. Puis, n'oubliez pas que l'ancien douanier Bernard Saint-Ville, il est retourné dans le tribunal pour l'instance de Port-au-Prince. C'est le gouvernement, ou bien encore le cabinet ministériel là. Il votait pour le retourner parce que monsieur était mandat défini de quitter poste là. Et un rapport était balayé, monsieur était un rapport favorable, CSPJ était balayé, un rapport favorable. Donc, il a reconduit monsieur encore dans le tribunal. Première instance, c'est le prince. Et puis, mes amis, il fait chaud. Si vous avez fait chaud, cherchez de l'eau, voyez de l'eau sous l'eau, vous allez dormir, vous allez chercher côté gain la mer. Mais à côté de l'eau pour aller au posé, pour ne pas pouvoir être frais. Parce que bon, ici aux États-Unis, nous déjà senti là. Moi, je dis que nous parlons avec nous là, je ne sais pas comment sentir là, tellement chaleur fort. Et dans la zone État Texas, quand nous dans le pili, nous avons bloqué l'autre bois tout. Et quand on est dans la chaleur, et toute zone État Texas, nous sommes dans des zones, dans l'Arizona tout, qui bloquent l'autre bois là. Et bon, c'est Rololo. Depuis Phoenix, traverser juste Texas pour aller tomber dans le sud de la Floride, c'est chalet. C'est autorité qui s'appelle la population dans la zone Saros. Au moins, ils ont cherché un fraîcheur. Ils ont été souvent dans le cas où pas besoin de l'arrière, pas sortir dans l'arrière. Et souvent dans l'arrière, il y a une piscine publique ici, et bien à la piscine. Et fait journée là, rapidement en attendant que la bonne soit. Voilà mes amis, c'était samedi dinon, samedi pour nous, un beau week-end qui a commencé là. Et nous tiendrons à propos de la Baptiste, c'est pour son fête nationale. Et enfin, donc tous les citoyens haïtiens, français, et que l'on a souhaité une bonne fête. Et puis, nous prenons la fête champêtre là en Haïti, là, le 16 de l'après-midi, la fête champêtre là, c'est pas fait le 16 juillet, fête Mont-Carmel. Donc, pour ne pas qu'on s'en fasse fête totalement en Haïti. Donc, malheureusement, le problème de sécurité a empêché que le monde sorte à l'étranger pour aller dans la fête patronale. Mais quand même, ça a fait ce qu'a fait. Et puis, le programme Biden n'a pas avancé. Donc, même sous tes fonds d'application, pour qu'on ait une réponse, pas découragé. On s'est dit qu'il y a un email, on s'est dit qu'il y a un courrier, parce qu'il y a 20 jours quand même. Il y a 20 jours parce que le programme a fait, il prend en deux temps, monde qui était appliqué en avant, et puis il prend monde qui est nouveau appliqué. Donc il y a fait les deux ensemble, donc c'est ça pour qu'il y ait un courrier. Mais quand même, on a une bonne nouvelle et il y a 20 jours. On ne peut pas rentrer temps à chercher, mais à ce qu'il y a des documents préparés, passeport surtout, le passeport là,
pour les gens qui appellent là pour le faire, remplir et reste formalité. Et certainement, pour passer deux ans. Et bah, c'est deux ans, pas que ce soit bonjour, mais bonjour, deux ans aux États-Unis, parce que c'est le temps pour ta vie aux États-Unis, pour que dans une permis de travail, pour commencer à faire l'argent, pour que tu t'en pas et pour pouvoir faire tout ça. Mais quand même, au moins, il y a un bagage qu'on est capable de faire. Voilà, c'est comme ça, nous saluons, nous, je dis à ce week-end, moi je dis nous passons un bon week-end, nous mettons ensemble la famille, nous, si nous faisons les célébrer les fêtes, moi je dis nous, passez bonne fête, si je dis à fête tout, demain il fait tout, hier il était fait tout, moi je dis nous passez bonne fête. Et bon week-end en même temps, et rappelez-vous, soit conduit ou pas à consommer alcool, et souvent les conduits, et souvent les consommer alcool ou pas à conduire, et non plus tout en tant que passager ou pas sur les sites à nos machines, à tout le monde. Et puis, une consommation d'alcool. Et puis, un dernier petit problème. Plutôt, remettre ça au gendarme. Si au gendarme, on a apprécié, on a apprécié, pas réfléchir à l'autre bagarre pour pagayer. Si au gendarme, on s'est dit pour commencer, par considération, remettre ça au gendarme. Et puis, après, l'autre, la vie, on va l'amour. On va tout le monde passer un bon week-end. On n'a pas les pitas, c'est moi qui a présenté Jacqueline, je dis allez. Ça travaille à domicile et puis il y a une équipe qui est là, Valérie Saint-Louis avec et Gentil Augustin et M. Sayo. Maximum depuis le week-end dans la mission avant l'Australie avec Nouvelle-Zélande, pour que vous puissiez suivre PIPC, Sélection Nationale de Football Haïtien. Moi, je dis PIPC. Alors, bataille Sélection Nationale de Football Haïtien pour le mener pour voir s'il a traversé Cap au mi-trois. Alors, Cap, phase de couple et pour arriver dans la phase de choucal. Mais nous, beaucoup là, d'abord, il faut passer cap. Des choukas. Cap, phase de groupe là. Et puis après, on va regarder. Donc, on va se dégager, remporter deux matchs au moins pour traverser la phase de groupe là. Salut tout le monde. Restez branchés sur la Voix d'Amérique. Visitez toutes les plateformes. Yo, parce que Valérie avec Gentil Auguste Grand. Pile bail pour aller voir nous. Pour nous-mêmes tout. Pour nous suivre ce qui a passé. Sélection nationale là, surtout ça a fait, etc. Ok? Bonsoir tout le monde. Bye bye.